Bonjour les gens, sans portrait pour vous présenter donc ma petite Arbewan. Donc tout pour ceux qui me regardent, je tourne avec donc sur Montpellier. Donc maintenant, pas donc oui, j'ai oublié de dire, excusez-moi, je tourne donc ce mercredi. Mercredi je ne sais plus combien, donc je sais qu'on est en août et on est le 25, donc 25 août 2013. Donc ceux qui roulent là-bas, venez, venez, venez. Voilà. Donc maintenant, donc au début, donc j'avais cet aileron, donc je l'ai laissé. Mais j'ai un autre aileron. Donc je ne pourrais pas vous le présenter aujourd'hui parce que je vous fais ça une nuit. Et voilà, voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé sur cette voiture, c'est que... Alors déjà, elle est thermique, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était les soufflets d'amortisseur. Donc moi, avec mon père, on les a réglés assez facilement. Donc, alors, ici, là, voici le filtre, voici le moteur. C'est un 3,5, 3,5. Et ce bruit, donc elle fait ça. Donc voilà. Donc voilà le bruit qu'elle fait. Donc, ici, le cerveau. Donc, vous aurez un Savox. Donc, Savox. Et Savox. Donc moi, celui-là de Savox, je l'ai laissé. Sauf que j'ai changé celui-là pour avoir un 9 kg. Donc le Savox d'origine est un 6 kg. Alors, ici, vous avez votre ralenti. Non, pas votre richesse. Ou votre... voilà quoi. Et ici, caché sous une durite, vous avez votre ralenti. Donc ce qui permet de durer plus longtemps... ou moins longtemps lorsqu'on n'accélère pas. Donc aussi, autre particularité de cette voiture, protège cardan aux deux roues arrière. Alors ça m'a servi pas mal de fois, mais bon, j'avoue que ça sert pas énormément. Alors je pourrais pas vous faire le test aujourd'hui, mais voilà, je vous le ferai bien un jour. Donc le mercredi, ça se trouve sur la piste, hein, je pense. Donc moi j'ai changé, j'ai mis des pneus AK médium. Donc je suis en été bien sûr, même si c'est fait pour l'hiver. J'ai préféré mettre ça, donc on m'a conseillé ça, donc voilà. Donc le réservoir qui est assez grand pour faire à peu près une vingtaine de tours sur la piste. Ben voilà, donc la voiture qui fait un assez beau bruit surtout, ça c'était vraiment bien. Attendez, je reviens, je vais vous montrer les équipements et tout. Allez, à tout de suite. Me revoilà chargé de tous mes équipements. Enfin, même pas le quart de tous mes équipements. Mais c'est juste comme ça pour vous présenter. Donc, moi, comme filtre, je mets du Obitech. Voilà. Obitech. Donc, je vais vous montrer les pneus d'origine que j'ai mis. Enfin, que j'ai eu d'origine. Donc, voilà. C'est des gros pneus avec des gros crampons. Des gros crampons comme ça. Donc, sachez que je n'ai pas trop aimé ces roues, que le corps a usé pas mal, très très vite. Alors, passons à l'essence que je mets. Alors, je ne mets pas du 20, je ne mets pas du 16, du 15, du 12. Je mets du 25 Hot Fire. Donc pour moi, donc elle est bien compatible avec toutes les voitures buggy. Et même truggy, donc toutes les voitures essence bien sûr, hein, parce que vous n'allez pas mettre de l'essence dans une voiture électrique. Donc voilà l'aileron que j'ai fait moi-même. Un peu de sacré petit aileron qui est
assez beau. Donc je pense que je vais mettre ça pour tourner mercredi. Et donc comme ça, quand vous verrez un aileron orange, eh bien, vous verrez que c'est moi. Alors je tournerai avec... Donc on sera 5, mon père avec une électrique brushless repo, mon cousin qui va venir avec une thermique dans RB1 aussi, donc il a flashé, donc il va l'avoir demain, lundi, et son copain qui a une Sen Racing, un moteur 2.5 et un petit avion de chasse, et bien sûr mon pote avec son Traxxas Slash, démarreur électrique et un moteur 3.3. Donc elle a deux vitesses, et ça je trouve que c'est... Vachement bien. Donc les durites aussi sont toutes neuves, très très dures. Elle fait vraiment un très très beau bruit. Ça me fait... Je trouve ça que ça fait vraiment kiffer. Donc moi j'ai mis du 9 kg, ce qui tient pas mal, comme je vous l'ai dit. Et je conseille ça aux amateurs, parce que pour débutants, c'est un peu trop cher, donc déjà ça atteint les 400 et quelques euros. Donc moi j'ai eu un prix, car toutes mes anciennes voitures, donc Maverick RC brushless lipo, Traxxas Slash brushless lipo aussi, j'ai tout acheté à RC34 Modélisme, donc qui est un magasin mais vachement de chez vachement bien. C'est là où j'ai tout acheté mes voitures. Donc au départ je devais avoir une EB4, une EB4, et j'étais vraiment très content. Du coup, j'ai ouvert mon cadeau et là j'ai vu RB1. Là j'ai sauté dans les yeux de mon père et j'ai dit: papa, t'as pris l'essence? Il m'a dit oui. Eh bien, on va faire un tour. Et je suis allée sur la piste. Et voilà l'avion. Donc je vous conseille de mettre comment ça s'appelle, plus dur à l'arrière les amortisseurs qu'à l'avant. Parce que... Si par exemple, quand vous êtes dans les airs, qu'elle fait comme ça la voiture, qu'elle pique du nez, pardon, et que vous allez accélérer, elle va tomber sur l'arrière. Et il faut pas que ça, voilà, ça touche plusieurs fois, parce qu'après vous allez le casser, c'est une matière, hein. C'est du plastique. Alors, tout le dessous, bien sûr, est en fer. Donc, ben voilà. Donc, il me manque quelques pièces que j'ai fait tomber, bien sûr, en roulant. Et plus moi à l'avant. Alors aussi un petit conseil, quand votre voiture, quand vous faites des sauts, qu'elle pique du nez, accélérez un tout petit peu pour la remettre droite. Ça marche très très bien. Donc tous les professionnels font ça. Et moi j'ai adopté ça et j'en suis très fière. Bon ben, mesdames et messieurs, c'était 100x13, donc pour représenter une vidéo. Ah oui, j'ai oublié. Je reviens, mesdames et messieurs. Donc voici le socket d'origine, donc de la merde, on va même le démonter. Je trouve qu'ils ont vraiment pas fait fort du tout. Donc voilà un truc à ressort vraiment de merde. Je m'amuse à jouer avec des fois car je ne l'utilise pas. Et bien sûr le mec de R34, comme c'est un pote à nous, il nous a donné un vrai de professionnel avec un ressort rouge qui nous a changé. Je trouve ça vraiment gentil de sa part. Et ben donc, ben rendez-vous mercredi. Donc je pense que je vais du matin, pardon, du matin au soir, on va tourner avec ma voiture et mes potes bien sûr. Donc on va s'éclater. Donc ben, j'espère que vous serez là si vous avez vu cette vidéo. Attends. Allez, ciao les gens.